Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit Genius Off sur John Scofield, ça vous dit ? Ok, aujourd'hui on va ensemble étudier deux leaks de John Scofield sur l'album Still Warm, qui est pour moi vraiment un album incontournable quand on veut découvrir aussi John Scofield. Ok, quelques petites explications sur ces leaks assez délicats, assez difficiles. Je vous ai mis quand même la notation main droite conseillée si vous utilisez de l'aller-retour et purement le médiator. De mon côté, j'ai pour le premier leak utilisé l'hybrid picking parce qu'il y a des sauts de cordes. Donc vite fait, au début je suis au médiator en fait. Hein. Vous voyez ? Jusque là en fait. Hein. Et à partir de là, je prends la blue note, hybrid pick, et j'hybrid pick avec l'annulaire personnellement, mais vous pouvez le faire avec le majeur si vous voulez. Donc, ça, c'est pas facile. On vient refaire le hammer après avec le doigt 2, et j'attrape avec le petit doigt en fait là. Vous voyez ? Donc. Donc à chaque fois que j'ai un saut de corde, en fait, il y a un hybrid pick, quoi. Ok, donc... Vraiment pas facile à se mettre dans les doigts, mais très sympa, je trouve, ce plan-là. Et puis pour l'autre, là, je vais garder le médiator, en fait. Hein. C'est juste que des fois, je suis pas forcément toujours le sens indiqué. Pour être un peu dans l'économie de mouvement quoi. Mais je vous conseille quand même de le garder en aller-retour pour l'apprendre au début et après vous trouverez peut-être une solution main droite qui vous convient le mieux, c'est ce que j'ai fait de mon côté quoi. Donc encore une fois le deuxième là. Déjà rien que ça, le petit slide avec le doigt pour récupérer 4 notes sur une corde hein, c'est un peu la gamme diminuée qui nous oblige à ça aussi quoi. Ici, je vais slider avec le majeur. Ça aussi, c'est dur le saut de corde au début là. Donc là, je le prends pas en hybrid picking. Hein. Slide avec le majeur après. Hein. Voilà, ce que j'ai vraiment appris avec ces leaks, c'est ce truc là en fait, hein, qui est très sympa. Cet épisode, ça fait un petit moment que je suis dessus, donc désolé, hein, j'ai,
j'ai pas été très productif ces derniers temps, mais j'avais pas mal de taf aussi, donc j'espère que ça vous plaira, ces petits leaks. Je vais vous laisser plusieurs choses. Le backing track que j'ai trouvé sur YouTube de Techno, qui est la première chanson de l'album Still Warm. Je vais vous laisser aussi, bien sûr, les tablatures à l'écran, tout ça. Et également, je vous laisserai ma session de pratique. Alors, je vous mettrai les meilleurs moments au début pour vous teaser un peu peut-être sur la vidéo. Mais je vous mettrai aussi les erreurs, quoi, pour vous montrer que bah, voilà, je suis comme tout le monde. C'est pas parfait du tout ce que je fais. Et je me plante beaucoup trop souvent d'ailleurs. Mais peut-être que ça vous encouragera aussi à essayer de vous filmer, à voir vos erreurs et peut-être à être dans un autre mode un peu que le YouTube Game Guitar qui semble parfait. Tout le monde fait des trucs incroyables, donc bon, c'est pas comme ça que ça se passe, je pense, en vrai. Donc je vous laisse quand même l'envers du décor et on se retrouvera, je pense, en 2024 maintenant pour de nouveaux contenus. Donc je pense que ça sera la dernière vidéo de l'année. Merci encore à tous les abonnés, ça y est, je crois qu'on est plus de 700 sur la chaîne, donc vraiment un grand merci à vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit très vite. Ciao. Thank you.